Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité et bienvenue dans ce nouveau numéro Face à Face. Et nous recevons ce soir la députée de Guyane, Madame Christiane Taubira Delano. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, vous êtes députée, mais avant d'être députée, économiste. Alors, vous occupez, si je ne me trompe pas, le banc 615 à l'Assemblée nationale. C'est exact. Et visiblement, vous aimez les couleurs. Absolument, Voilà. absolument. Je suis une équatorienne, On va en une reparler. équatoriale. On va en reparler. Alors, la loi Taubira, 9 ans déjà, fait reconnaître l'esclavage crime contre l'humanité. Quel est le bilan 9 ans après? Alors, d'abord, il était essentiel de faire nommer le crime et de lui donner un statut, parce qu'on parle de l'esclavage, de la traite, on fait comme si c'était une affaire économique ou commerciale. Non, il a été question de commerce d'êtres humains. Donc, il fallait bien dire que cela constituait un crime contre l'humanité. C'était rétablir les personnes mises en esclavage dans leur humanité, non pas par rapport à la réalité, parce qu'elles sont restées des personnes, non pas par rapport à elles-mêmes, parce qu'elles savaient qu'elles étaient des personnes, et c'est bien ces pulsions d'une humanité extrêmement puissante, ces pulsions qui ont essentiellement mis à bas le système esclavagiste, mais il fallait faire dire officiellement, et particulièrement par les institutions publiques françaises, que ce crime était un crime et est un crime contre l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a eu éjection hors de la famille humaine, par le commerce, par le code noir, par la comptabilité avec le cheptel, par évidemment la vente, par les sévices, par l'autorisation de vie de mort sur ces personnes, il y a eu éjection de la famille humaine. Donc il fallait donner un statut et un nom à ce crime. Et puis après, il fallait aller plus loin. C'est pour ça qu'il y a des dispositions normatives sur l'enseignement et ça progresse pas mal. Il y a d'ailleurs une querelle qui a repris récemment. Puisque, en plus, alors moi j'ai toujours dit qu'il y a la traite, l'esclavage, mais il y avait des vies avant. Il y avait des sociétés avant, il y avait des civilisations avant. Et qu'il faut expliquer aussi tous ceux que la traite et l'esclavage ont détruits. Donc, cette année, par exemple, dans les programmes scolaires, il y a introduction de l'empire Songhaï et de la civilisation du Monomotapa. Donc, voilà, on commence non seulement à étudier la traite et l'esclavage, ces 4 siècles et demi d'histoire de 3 continents, mais on commence aussi à étudier sérieusement les civilisations africaines et les civilisations précolombiennes, c'est-à-dire la civilisation amérindienne dans les Amériques et les Caraïbes. Alors, c'est une loi, bien évidemment, qui a marqué les esprits, hein, en 2001. Il était difficile d'emmener, de faire voter cette loi à l'Assemblée. Alors, ça a été de plus en plus difficile, c'est-à-dire que lorsque j'ai déposé la proposition de loi, j'ai déposé à la mi-98, nous avons eu 6 mois de travaux préparatoires qui étaient un petit peu compliqués, mais je trouvais ça un peu normal, parce que cette histoire a été assez peu enseignée, qu'il y avait des préjugés, y compris dans la tête et l'esprit de députés de gauche. J'ai eu de grandes déceptions aussi à ce moment-là, mais enfin, j'ai pu faire un travail méthodique et au bout de ces 6 mois, nous nous sommes acheminés vers une inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. La première lecture a provoqué quelques couacs, mais déjà juste avant le débat public, un certain nombre de débats en commission des lois qui ont été un petit peu compliqués. Et c'est au fur et à mesure que ça s'est compliqué. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je crois qu'à la fois les institutions publiques françaises et certains milieux médiatiques, milieux universitaires, milieux judiciaires aussi, ont réalisé ce que c'était et les complications ont commencé vraiment à venir. Alors, Madame Taubira, vous êtes députée, je l'ai rappelé. Vous avez été aussi député européen. Alors, ça a été un bon parcours, siéger au Parlement européen. Ça a été une expérience vraiment qui m'a éreintée, franchement, qui m'a éreintée. J'ai regardé venir la fin comme ça. Je me suis dit, quand je prends un engagement, je vais jusqu'au bout. Mais physiquement, ça m'a épuisée. Alors après aussi, j'ai fait des choses qui m'ont épuisée physiquement. Vous voyez, je n'ai pas un grand gabarit. Hein, donc quand je demande beaucoup à mon corps, il me le fait payer aussi. Donc ça a été une belle expérience parce que le Parlement européen, en fait, rayonne sur pratiquement toutes les parties du monde. Et donc moi j'ai travaillé avec la délégation Afrique-Caraïbes-Pacifique, donc les pays ACP, qui sont en convention avec l'Union européenne. J'ai travaillé dans la commission de développement. Donc j'ai pu travailler sur des tas de sujets que j'ai à cœur et j'ai pu, par exemple, concrétiser des engagements que j'avais déjà pour l'annulation de la dette des pays du Sud, parce que j'estime que c'est une grande escroquerie. C'est là que j'ai commencé à m'engager sur un certain nombre de gros dossiers que j'ai portés à l'Assemblée nationale, tels que l'interdiction de l'utilisation de mines antipersonnel
vous savez, ces bombes qui explosent lorsqu'on marche dessus. Et puis, l'interdiction des bombes à sous-munitions. Et là aussi, il y a eu deux belles victoires sur les mines antipersonnelles en 1998 et sur les bombes à sous-munitions en 2009. Alors, député donc depuis 1993 à l'Assemblée nationale, en ce moment vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères, mais aussi membre du groupe d'études sur la pauvreté, la précarité, mais aussi les sans-abri. C'est un sujet qui vous touche particulièrement. Mais mon engagement politique, c'est un engagement contre les injustices et contre les inégalités, fondamentalement. C'est-à-dire que, quelles que soient les situations et quels que soient les territoires, mon premier centre d'intérêt, ce qui va m'amener à investir mon énergie, à me battre, à prendre des coups et à en rendre aussi, c'est la lutte contre les inégalités et contre les injustices. Et je trouve qu'en 21e siècle, que les personnes et les familles ne soient pas sécurisées sur leur logement, c'est extrêmement grave. Alors, il y a une différence entre la pauvreté et la misère. Dans un certain nombre de pays, la pauvreté est concevable parce qu'il y a une culture de la pauvreté. Les gens savent subvenir à leurs propres besoins, organiser la satisfaction de leurs besoins principaux, organiser même la prise en charge de l'éducation de leurs enfants pour améliorer leur vie, etc. Donc la pauvreté en tant que telle dans un certain nombre de pays, c'est aussi parfois un refus d'une opulence matérielle qui n'a pas de sens parce qu'il y a un rapport à la spiritualité, à la vie, aux rapports humains, etc. Bon. Mais la pauvreté en tant que telle n'est pas choisie, elle n'est jamais choisie et il faut la combattre. Et puis pour ceux qui sont ici en France, et souvent ils viennent du sud, parfois du sud, ce qu'on appelle les Outre-mer français, parfois du sud de l'ancien empire colonial, du reste de l'ancien empire colonial, ils sont souvent plus vulnérables, plus exposés et davantage dans la précarité. La précarité du logement, la précarité du travail, la précarité de la vie tout simplement, parce que parfois il y a des histoires de papier. Donc tout ça, ça n'est pas concevable au XXIe siècle, ça n'est pas supportable, ça n'est pas acceptable, notamment dans des sociétés où il y a de l'opulence. Dans des sociétés où il y a des gens qui ont tellement d'argent qu'ils ne savent même pas combien d'argent ils ont. Vous avez des gens qui sont propriétaires d'îles, qui ne savent même pas s'ils ont vendu, pas vendu l'île, etc. Donc ça rend complètement insupportable la pauvreté et la précarité. Donc oui, pour moi c'est essentiel et je mets beaucoup d'énergie à lutter contre cela. Alors est-ce que quelque part vous avez eu une pensée pour le peuple haïtien, par exemple, qui passe un moment difficile après bien sûr les événements de janvier dernier, mais aussi en ce moment, le choléra qui fait des ravages? Alors, beaucoup, beaucoup de pensées. Ça fait des années que je travaille sur Haïti. Vous savez que c'est moi qui ai fait, en saisissant M. Villepin, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, c'est moi qui ai fait créer ce qu'on a appelé la commission Debray, Régis Debray, qui était chargé de réfléchir à la situation. En fait, j'avais interpellé le gouvernement français en disant, vous avez rançonné Haïti, vous l'avez condamné en fait au sous-développement, puisque vous avez obligé Haïti à payer une rançon d'indépendance, alors que Haïti s'est libéré par le courage de ses habitants. Donc, tel que j'ai argumenté les choses, le gouvernement a décidé de mettre en place une commission qui étudierait de nouvelles relations. Donc je dis, faites un acte symbolique. Vous avez pénalisé ce pays en faisant en sorte que les paysans soient obligés, au lieu de diversifier leur activité, d'être obligés de continuer à cultiver du café parce qu'il fallait des cultures d'exportation de façon à avoir des devises pour payer la rançon d'indépendance. Donc vous avez pénalisé la classe paysanne, vous avez pénalisé leurs descendants parce que du coup leurs enfants sont restés sur les fermes et les enfants n'ont pas pu tellement aller à l'école. Vous avez pénalisé les femmes parce que les femmes sont restées effectivement aussi dans le milieu rural. Donc faites un geste symbolique en restituant cette rançon d'indépendance. Je ne parle pas de réparation sur l'esclavage, hein, ça c'est un autre sujet, qui est un sujet aussi, mais ce n'est pas lui. La rançon d'indépendance, restituer l'équivalent de cette somme et restituer de façon très fléchée en faveur des jeunes pour l'éducation, en faveur des femmes pour leur autonomie économique et en faveur de la classe paysanne pour qu'elle puisse s'équiper, améliorer ses rendements, etc. Donc à la suite de ça, cette commission Debray a été mise en place. Mais ça fait des années que je travaille sur Haïti, que j'y vais. J'ai d'ailleurs été observateur aux élections présidentielles de 1995. Je suis en contact avec ce pays. Je connais je suis dans une même association de bibliothèque Monique Calix avec l'ancien Premier ministre Michel Pierre-Louis. Donc c'est une association dans laquelle nous nous débrouillons avec très peu de moyens pour aider et nous avons permis qu'une bibliothèque et une médiathèque aient des livres, bon, et quelques moyens.
Bon, j'ai des amis comme Raoul Peck, qui est un très très grand réalisateur. J'ai plein plein d'amis chez Icastor, tous les écrivains, les Lionel Trouillot, les Yannick Lahens, etc. Donc voilà, moi, Haïti, je l'ai dans mon cœur en permanence. Chaque fois que je peux faire, je fais, à la fois en tant que députée, mais aussi à titre personnel, même si ce n'est pas grand-chose. Donc voilà, j'y pense constamment et j'avoue que je suis assez, voilà, je suis dans une souffrance permanente à l'égard de cette terre.